Le programme d'appui au développement local et la gestion des ressources naturelles, c'est un programme qui est financé par l'Union européenne sous tutelle directement du ministère du Plan et de la coopération internationale, qui assure la maîtrise d'ouvrage du programme et en même temps la maîtrise d'œuvre. Le programme couvre 16 régions sur les 23 que compte le pays. Et donc nous avons lancé 10 appels à propositions, ce qui nous a permis de financer donc, à peu près 54 projets à hauteur de 90%, et les partenaires apportent également leur part à hauteur minimale, c'est 10%. Nous avons accompagné la population à rédiger leurs aspirations dans un document qu'on appelle le plan de développement local. Cela a permis à la population de se responsabiliser davantage sur ce qui va être fait en leur nom, et également nous avons accompagné au choix des projets selon leurs priorités. Donc des structures locales sont mises en place, et donc ce sont ces structures-là qui dirigent donc un diagnostic participatif, ou c'est un diagnostic vraiment inclusif. On a d'abord fait appel aux couches sociaux. Donc la jeunesse est représentée. Soit les artisans sont mis dedans, les cavaliers sont mis dedans, les imams, les pasteurs, c'est tout le monde qui est mis dans l'association. Comme le bureau était élu démocratiquement, nous n'avons pas de problème avec la communauté, nous n'avons pas de problème avec les ONG. Toute chose est toujours avec l'avis de tout le monde. Une seule personne ne peut décider. Donc c'est comme ça qu'on a compris la bonne gouvernance. À travers le PADL-GRN, ça veut dire l'axe prioritaire pour nous, c'est la sécurité alimentaire. Nous avons beaucoup plus eu des actions d'aménagement, de production, des actions de transformation, de stockage et de commercialisation des produits agro-silvo-pastoraux. L'amélioration de l'agriculture nous a apporté à nous défendre de la faim. C'est-à-dire que ça, c'est la sécurité alimentaire. C'est une économie assez quand même solide. Quand on faisait la traditionnelle, on bazarde, on fait tout. Mais quand on fait maintenant la contre-saison, pour le moment, pour moi, ça me permet. Actuellement, j'ai déjà semé le riz. Sur 1 hectare, on peut avoir au moins 10 à 11 sacs. Un quart d'hectare, on a 17 sacs. Mais pour 1 hectare, on a à peu près 10 sacs. Donc voilà une très grande différence. Avant, sans formation là, on a fait beaucoup déjà, mais on n'a pas beaucoup de rendement. Mais avec la formation que le formateur nous a donnée, on a fait des petites parcelles comme ça, mais en récoltant, on a beaucoup gagné dedans. Avec les 50 mètres carrés qu'on a labourés, on peut avoir même 15-20 sacs de riz. Bon, nous, entre-temps, ici, donc, le Mayo Kébi, nous, on laboure d'une manière traditionnelle. Donc, avec l'arrivée ce projet-là. On a eu des formations sur le compte d'exploitation, les techniques culturelles. Alors, on a aussi eu des formations sur l'étuvage du riz. Et en plus de cela, le projet aussi nous a doté de 2 magasins. Donc à la fin de chaque mois, nous on se retrouve pour faire la situation et puis faire le partage comme il se doit. Quand on travaille, le son là c'est pour nous. Et l'argent, on met dans la caisse. Avant, sans la machine, on s'est organisé. Nous-mêmes, les femmes, on a 10 groupements. Et les 10 groupements, on a fait l'union. On s'est adhéré à la coordination. On croit qu'avec la coordination, ça ira, coiffure. De temps en temps, ils viennent à nous pour contrôler et on est là. Avec eux, je crois que ça va aller. Avant, nous ne connaissions pas la transformation du riz. Avec l'appui du projet, nous avons appris à étuver le riz, ce qui a apporté une plus-value à nos produits et a contribué à améliorer nos conditions. Désormais, nous pouvons scolariser nos enfants et notre santé s'est améliorée. Grâce à l'argent que nous rapporte notre moulin, nous nous approvisionnons en riz paddy chez les producteurs. Ce riz paddy, nous l'étuvons pour le rendre plus blanc et nous le revendons un peu plus cher sur le marché. Grâce aux bénéfices générés, chaque membre a cotisé et nous avons ouvert un compte épargne. Nous avons aussi reçu beaucoup de formations, notamment en technique de transformation de tomates, aubergines et autres produits locaux qui nous procurent également un peu d'argent. L'appui de Pedel dans mon canton avait donné beaucoup de fruits, vraiment pas totalement autosuffisance alimentaire, mais sur les marchés, il y a beaucoup de vivres et le prix même a baissé. Et dans mon canton, il y a 100 quelques villages qui ont bénéficié de ce projet. Notre demande portait sur la sécurité alimentaire. Et quand PADL-GRN intervient avec ces projets, nous avons pris beaucoup de conscience, nous avons les goûts de développement. Donc la population maintenant, elle connaît ce qu'on appelle le développement. Donc il y a un changement total au niveau de notre canton. Quand on est parfois au nord, nous avons des wadis qui sont menacés de l'ensemblement et même l'utilisation de ces terres-là n'est pas accessible à des personnes vulnérables. Donc ces terres sont détenues par des chefs religieux et donc l'accessibilité aux femmes et des personnes, par exemple les castes et tout ça n'est pas facile. Nous avons pu d'abord sécuriser ces wadis-là qui sont menacés de disparition. Nous aménageons le wadi, le propriétaire est d'accord et donc du coup ça veut dire qu'il doit mettre ce wadi à la disposition d'un groupe de femmes par exemple, mais il faut que ça soit dans la durée pour disons jusqu'à amortir l'aménagement qui est fait. Les wadis c'est des dépressions dunaires, il y a la présence de l'eau qu'il faut aller chercher à travers des forages. Avant il y avait moins de producteurs ici et tout le monde se concentrait seulement vers le bas-fond puisque la nappe était moins profonde. Nous sommes sur une superficie de 28 hectares. Donc avant, c'était seulement que 20 hectares qui étaient exploités. Ces aménagements ont permis d'introduire des nouveaux bénéficiaires, des nouvelles bénéficiaires qui sont au nombre de 180. Et donc, ces nouveaux bénéficiaires sont mis ensemble avec ceux qui exploitaient entre-temps, qui avaient déjà des maîtrises, donc pour permettre des échanges et autres. Et il y a tout un système de gestion sociale de l'eau qui était mise en place. Donc dans chaque bloc, on a mis des blocs. On appelle ça des clubs maraîchers. Dans chaque bloc, on a mis en place des clubs maraîchers. Nous pouvons maintenant travailler une partie de la journée et rentrer chez nous nous reposer. Avec la clôture grillagée, nos parcelles sont protégées contre la divagation des animaux. Avant, nous fabriquions et vendions des nattes et nous ne gagnions pas beaucoup d'argent. Avec l'appui du projet, nous exploitons maintenant nos parcelles et avons plus d'argent. Avec nos revenus, nous pouvons acheter du carburant pour les motopompes et payer les manœuvres pour nous aider aux champs. Il y a eu la distribution de noyaux de cheptel, des petits ruminants, c'est-à-dire à 250 bénéficiaires avec tout un paquet d'accompagnement sur la formation, sur les techniques d'alimentation. Et donc on a eu aussi à les former sur la fabrication du pierre à lécher pour améliorer l'alimentation de ces animaux. Les enfants et les femmes sont souvent mobilisés pour garder les champs, garder les cultures ici contre la dévastation des animaux. Et maintenant que le programme a fait cette clôture grillagée, les enfants sont repartis à l'école. On a implanté un nouveau bâtiment. Donc ça a permis d'atténuer les conflits et de rendre autonome chaque exploitant. Donc on les responsabilise pour qu'eux-mêmes ils arrivent à trouver de quoi à manger dignement à travers leurs propres efforts. Bon, quand on est au nord, ça veut dire que c'est aussi des wadis, donc l'eau passe et c'est du sable qui reste. C'est des zones qui ne sont pas exploitables. Parfois, on fait donc des barrages. Le comportement voulu, ça veut dire que ça va ralentir le passage de l'eau et ça permet à régénérer le sol. Et donc, tout autour, le terrain est récupéré et on peut faire vraiment des activités pluviales comme des contre-saisons. L'eau constitue un problème réel dans la zone. Comme vous le voyez, nous sommes entourés de montagnes, de massifs montagneux. Tous ces villages-là, il y a certains qui se sont déplacés pour s'approcher beaucoup plus des points d'eau. Là aussi, la question foncière se pose, et donc il faut maintenir les gens dans leur terroir en leur réalisant ces ouvrages-là pour la maîtrise d'eau. Avant la construction du micro-barrage, nous avions des problèmes pour notre approvisionnement en eau. Nous devions aller chercher de l'eau à 7 km au bord du Wadi Bangbang. Maintenant que le micro-barrage est construit, nous sommes tous satisfaits. Entre-temps, nous nous mettions ensemble pour faire des micro-barrages avec les moyens du bord. Nous en avons construit plusieurs, mais comme ils étaient en terre battue, les eaux de pluie les emportaient et il fallait tout recommencer. Pour trouver une solution à cela, tout le village s'est réuni en assemblée générale et ensemble nous avons défini nos priorités. C'est ainsi que nous avons opté pour la construction du micro-barrage en matériaux durables. D'abord, dès la planification, les populations se sont engagés, je dirais, à participer, à apporter leur participation de telle sorte que les gens sentent que c'est leur micro-barrage parce que, un, c'est eux qui l'ont d'abord demandé dans leur plan de développement local et ils ont contribué à sa réalisation. Le projet PADL-GRN qui a financé, c'est une subvention à hauteur de 266 millions. Pour le développement, surtout les aménagements hydro-agricoles. Nous avons aussi fait des mares parce que nous savons qu'il y avait des difficultés pour le bétail à s'abreuver. La mare sert à abreuver les animaux. Actuellement, là, les animaux ne partent pas loin. S'il y a une perdition où les gens font des navettes, aller loin, abreuver les animaux avant de venir, mais tant qu'ils ont trouvé ici, là, surtout tous les gens sont sur place, même les animaux aussi. Il a brouté un peu, quelques mètres ou 1 kilo, il revient, il abreuve ici au village. L'appui a concerné aussi à foncer à peu près 30 puits maraîchers que nous avons déjà tous effectués. Globalement, ça a amélioré quand même les conditions de vie de la population bénéficiaire. Oui, ça nous a amélioré. Avant, le matériel était difficile. Sinon, chaque année, on fait l'autre, le puits, et puis on creuse, et puis tombe. Chaque année, on creuse, le puits tombe. Avec ça, là, on a fait 2 à 3 ans, là, ça va pour le moment. Ça nous aide. Pour faire l'enclos, à chaque fois, il faut couper les branches, même jusqu'à de jeunes arbres. Alors, chaque année, il faut renouveler pour préserver ces écosystèmes fragiles. Nous avons préféré de faire la haie vive. La haie vive a plusieurs raisons. C'est-à-dire la première, c'est de bloquer d'abord les animaux qui divaguent. Et la deuxième, les espèces que nous plantons sont des espèces qui fertilisent le sol. Nous avons mis des comités de suivi et de gestion qui pourront continuer la gestion. Tout comme nous existons dans la zone, nous allons aussi faire le suivi continuellement. Mais cela ne dit pas que tout est fait. Il y a toujours des besoins. Il y a d'autres zones que nous ne couvrons pas encore, qui ont besoin encore de puits ou bien de telles actions. Nous avons également la thématique microfinance. On fait de l'appui institutionnel aux établissements de microfinance. On essaye d'appuyer techniquement ces structures et surtout en matériel pour étendre leur zone d'intervention. Donc en créant de nouvelles caisses d'épargne et de crédit. Il y a plusieurs types d'activités généralement que les gens exercent dans la localité. Nous avons l'agriculture, l'élevage, les commerces que nous appelons activités génératrices de revenus. Et dans le milieu, il est un peu difficile de comprendre la mentalité des gens, donc on essaye d'organiser les séances de sensibilisation avec les élus du conseil d'administration. Et nous les convaincons par rapport à leur manière de faire qui n'est pas du tout bien, surtout le fait de garder l'argent chez soi qui constitue une source d'insécurité pour la personne et pour le revenu aussi de la personne. Il y a une personne là, il pensait plutôt, bon, c'est un ancien combattant. Alors il avait le parti maintenant gagné son argent, quand il avait gagné son argent, il est venu, il a creusé le trou. On peut correctement mettre dans le trou, pensant plutôt que bon, une année, deux années, ça va rester. Quand il était venu un jour bon, pour prendre son argent, pour au moins se donner à quelqu'un d'autre là, il y a une partie déjà qui est rongée par les termites. Ah, mais ils ont sorti ça, mais vraiment. Lui-même, il a crié, non mais c'est... Voilà. Du moment où maintenant d'autres, le CEC est arrivé, a vu le jour ici, vraiment cela nous a beaucoup allégé. Ça a un taux très bas, donc ça ne dépasse même pas de 2%. Donc on est à 2% seulement avec le remboursement. On s'est trouvé l'année dernière à 100 et quelques membres, et aujourd'hui on se retrouve déjà à 300 membres. Parsec, c'est une institution de microfinance, et c'est depuis 2000 que Parsec a commencé à mener ses activités. La force de la Parsec, c'est que Parsec intervient dans le milieu rural et le milieu urbain. Et nous travaillons beaucoup avec la masse paysanne, la population qui est exclue du système financier classique. Le projet PADL a renforcé la capacité institutionnelle du réseau Parsec, d'abord en intervenant dans la construction, dans l'achat des équipements, dans les immobilisations, et dans la mise en œuvre aussi d'un projet spécifique qui est orienté vers les femmes qui sont démunies. Et nous avons nommé ce projet Programme Crédit Épargne avec Éducation. Avant, je ne pouvais pas. Avec la bili seulement, là, ça ne suffisait pas pour payer l'escolarité des enfants. Et comme j'ai associé avec l'argent de Parsec, ça m'a vraiment aidé à soutenir mes enfants. J'ai les deux. Un qui est à l'étude à N'Djamena, il y a un qui est à Niamey. Il a déjà même fini son étude, il est revenu déjà à N'Djamena. Cet argent m'a beaucoup aidé. Donc je tiens Parsec comme la clé de notre vie avec mes enfants. Je me sens en tout cas à l'aise parce que si je ne compte que sur la pension, franchement, ça va être très difficile. Mais la Parsec nous aide bien. On a un compte ici, le peu qu'on a, on le garde ici. Et au besoin, lorsqu'on demande un peu de crédit, on vous octroie. Même si c'est peu, bon, cela répond exactement à votre attente. On sait que lorsqu'on est nombreux, lorsqu'on est ensemble, on devient plus fort. Et je crois qu'en tant que président, mon rôle est de sensibiliser davantage les adhérents et ceux qui ne sont pas encore adhérents. Ils ont quelque chose pour améliorer leurs conditions de vie à la maison, dans chaque famille. Avant, je ne faisais rien. J'étais ménagère. Donc j'étais avec les enfants, je ne pouvais rien faire. J'étais obligée de me rapprocher, prendre les 30 000 là. Ça m'a permis de faire les petits beignets et autres. Et chaque fin de semaine, je paye. Et ça m'a aussi permis de nourrir les enfants. Et dans cet argent-là, ça m'a permis de me réinscrire à l'école au cours du soir. Et avec le temps, avec l'évolution, je suis arrivée jusqu'à avoir mon BPC. Donc j'ai fait 2 ans à l'école normale des instituteurs de Sarre ici pour avoir mon certificat de fin d'études normales. Je tourne avec des petits commerces. Maintenant, j'ai un café que je gère. Et là, je sors, je vais au travail, je mets deux femmes qui travaillent dans mon café et un gérant. Ce qui m'a permis de payer les scolarités de mes enfants. Donc, mes 3 enfants, il y a un qui est devenu déjà fonctionnaire par rapport au Parsec. Il y a un qui a fini en Algérie, en linguistique. Et il y a la 3e qui fait l'école d'infirmerie. Donc, à chaque fois, je prends le crédit à la Parsec. J'essaye de payer et ce que je trouve de bénéfices avec ce que je gagne, ça me permet de nourrir mes enfants, de m'entretenir moi-même. Et en plus de ça, j'ai acheté 2 terrains que j'ai construits. C'est ma caisse, ça m'a aidé et je suis fière de ça. Grâce à ce projet, nous avons recruté plus d'une trentaine de filles qui sont formées et qui s'occupe uniquement de ce projet. Donc aujourd'hui, nous, au niveau de la Parsec, c'est développer maintenant notre capacité à contenir la nouvelle clientèle et à continuer à offrir ce service-là. Les femmes elles n'ont pas accès au crédit parce qu'elles n'ont pas de revenus pour faire des garanties et avoir du crédit. Donc du coup, avec ce produit, ça veut dire que c'est juste à travers un groupe de caution solidaire, 3 à 4 femmes se mettent ensemble, acceptent de se soutenir solidairement et elles ont accès au crédit. Donc elles prennent du petit crédit pour faire des activités génératrices de revenus. Nous avons commencé avec les activités depuis 2012. Ici à Dogigi, nous avons 2 associations de crédit. Association de crédit Alandig et association de crédit Diaraimadji. Les dernières formations, nous avons fait l'analyse et approbation des frais et demande de crédit. C'est fait par les femmes elles-mêmes. Et par rapport à le programme, elles ont reçu de l'argent pour envoyer des enfants à l'école pour payer le clando-taxi. Elles ne partent pas à pied maintenant en ville pour vendre leurs marchandises. Nous avons lancé un appel à proposition où un lot spécifique a été dédié à la résolution du conflit. Quand l'élevage, le troupeau aille détruire déjà le champ, ça devient déjà conflit. Chez nous, au niveau de Mbikou, c'est d'abord le comité même qui a été créé suite à des conflits éleveurs et agriculteurs, qui causaient même des cas de mort. Bon, nous sommes débrouillés avec les moyens de bord pour que les gens aient une paix quand même entre les éleveurs et agriculteurs. Et que le PADL-GRN était arrivé en 2013, je crois. Il nous a donné des formations. En fait, cette action de prévention et gestion de conflits liée à l'exploitation des ressources naturelles partagées entre agriculteurs et éleveurs qui a été mise en œuvre dans les 4 départements et les 25 cantons qui couvrent ces 4 départements, il y a eu des résultats vraiment majeurs, à l'exemple de Mbikou et d'autres cantons. Et nous avons, à travers la commission justice et paix du diocèse de Doba, nous avons organisé en 2005 déjà des comités qui font l'interface entre les agriculteurs et les éleveurs pour essayer d'amorcer un peu les négociations pour des discussions. Mais la subvention qu'on a reçue a permis vraiment d'élaborer des projets plus pointus pour renforcer les compétences de ce comité. Les autorités civiles comme traditionnelles les font appel quand il y a un cas de conflit et c'est eux qui sont au devant. À travers ces formations qu'ils ont reçues, ils arrivent même à évaluer. Par exemple, si un champ est détruit, ils arrivent à faire une évaluation et le commun accord entre éleveurs et agriculteurs de fixer un prix de compensation. Donc il y a un taux de résolution de conflits entre 70 et 80%. Cette action a vraiment apporté un changement et aujourd'hui, les comités ont une certaine autonomie. Entre-temps, c'était très grave, mais maintenant avec le projet, même si l'appui s'arrête, ça n'empêche pas que nous on continue. Parce que j'ai dit que la paix n'a pas de prix. De PADL-GRN, on n'a pas trouvé vraiment d'autres ONG ou d'autres organismes qui appuient efficacement tel que le PADL-GRN. Ça permet quand même, avec cette approche participative, de gestion presque participative et inclusive, là, on a des suivis réguliers des activités. À la fin donc, de ce programme, nous avons fait même une tournée pour remettre officiellement les projets aux gouverneurs et aux préfets qui sont les présidents des CRA et CDA. C'est toute une dynamique. Donc les structures, au bout d'un an, 2 ans, il faut faire des assemblées générales pour renouveler, disons, les membres. Et en même temps, les PADL arrivent à échéance, donc il faut les réviser. L'approche développement local mérite quand même d'être soutenue par une structure plus pérenne. Même l'après-projet, donc cette mise en relation doit continuer.